Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous parole de foi. Et c'est les désordres de la vie. Adite wadi wisam. Bisope je diwa utubongo. Ndii bisopo mbio sotane na kube penji matape jani alongo. Ukaka mbio mbio biso mzimongo mbaya utiere biso mbare nyese. Sous-titrage Société Radio-Canada, on s'en est terminé, ma sou, n'a pas baissé, dit que ce sont les là qui nous seront sur ta table. Père, ta parole est pour nous fermant joyeux et gemme d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité, avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit,
Quiconque reçoit en mon nom, un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Les autres leur demandent d'arrêter de le faire
parce que leur facture d'électricité et de gaz explose. Et c'est ce qu'on nous présente. Pourtant, si l'enfant est roi dans les sociétés occidentalisées et les sociétés favorisées, il ne l'est pas dans les sociétés défavorisées et dans certains foyers pauvres, même s'ils vivent dans des sociétés occidentales. Si bien qu'à côté du monde des enfants rois, il y a aussi le monde des enfants victimes. Les enfants martyrisés, les enfants bastonnés, les enfants exploités. Et c'est de ce monde-là que Jésus parlait. Et c'est à ce monde-là que Jésus appartenait, celui des enfants victimes. Jésus prend un enfant en exemple pour montrer le chemin que l'on doit suivre si on veut devenir grand aux yeux de Dieu. En effet, dans la société du temps de Jésus, l'enfant n'avait pas un sort aussi enviable que ça. Il était le plus souvent considéré comme une charge. Il était avant tout une bouche de puits à nourrir. On le faisait travailler très tôt pour un salaire qui n'existait pas. C'est ainsi qu'il constituait une main-d'œuvre peu coûteuse dont on avait tendance à en abuser. Et de nos jours, ça continue. Certains d'entre nous l'ont connu. Certains d'entre nous le vivent encore. Victimes de la mauvaise alimentation et de l'hygiène déficiente, beaucoup mouraient en bas âge. On parle aujourd'hui du terme poli de mortalité infantile qui cache d'autres difficultés, d'autres maltraitances. Et ces enfants-là, aujourd'hui encore, continuent de mourir. Pas seulement dans les pays pauvres, pas seulement dans les pays, dans les sociétés dites non civilisées, mais aussi autour de nous, tout près de nous, dans les différences générales. Nous détournons le regard. Nous ne pouvons pas dénoncer quand on entend un enfant pleurer dans une maison. C'est son problème avec ses parents. On ne peut pas croire qu'au temps de Jésus, les parents étaient des brutes sans cœur. Mais sans doute étaient-ils et avaient-ils une autre façon d'aimer leurs enfants? Ils ne les choyaient pas comme ils sont choyés aujourd'hui. On peut croire que les chagrins que causait la mortalité infantile poussaient les parents à ne pas trop s'attacher aux tout petits, dont beaucoup ne survivaient pas à la petite enfance. Attendons qu'ils soient grands et nous pourrons l'aimer après. Mais pourtant, maintenant, nous n'avons pas l'assurance qu'ils survivent. C'est donc dans ce contexte que Jésus intervient, en plaçant au milieu de ses disciples un enfant, cet être qu'ils ne connaissaient pas, qui ne comptait pas, cet être qui pouvait s'en aller à tout moment, qu'on pouvait maltraiter et tuer. C'est lui qu'il place au centre de la société devant ses disciples. On se demande alors en quoi un enfant aurait-il pu donner un exemple de grandeur, être le plus grand parmi tous ces gens-là. Un enfant n'avait pas d'instruction, il n'avait aucun savoir. Une société faite seulement d'enfants, telle que semble le proposer Jésus, serait vouée à une disparition certaine. Et on ne voit pas en quoi les enfants pouvaient nous mettre sur le chemin de la sagesse spirituelle qui plairait à Dieu. Ils sont juste des ignorants. Pourtant, c'est bien en s'appuyant sur la sagesse des enfants que Jésus a quelque chose à nous dire sur notre relation avec Dieu. En fait, les enfants ne sont pas des adultes en miniature, juste des petits adultes, non. Ils ne pensent pas comme des adultes. Les enfants ne réagissent pas comme des adultes le font. Ils ont un comportement qui leur est propre. Ils ont en particulier une faculté d'émerveillement que n'ont plus les adultes. Ils peuvent encore s'émerveiller de cette petite chose de la vie que nous, par habitude, nous ne tendons plus à considérer comme des miracles. Ils considèrent comme un miracle que le Père nous leur donne un cadeau. Ils croient à ça. Et nous ne considérons pas comme un miracle que Dieu nous donne le souffle de vie tous les jours. En contrepartie, nous les adultes, nous avons le savoir et la science. Mais malheureusement, nous avons aussi la sagesse dont nous faisons beaucoup cas en matière spirituelle. C'est cette sagesse-là qui nous dit « Non, il est impossible de croire comme vous croyez. Il est impossible de croire qu'en priant, Dieu peut vous délivrer. » Nous introduisons cette sagesse dans toutes nos actions, même celle de la vie spirituelle. Aujourd'hui, comme j'ai dit à l'époque de Jésus, on donne un enseignement religieux aux enfants pour qu'ils puissent acquérir les notions élémentaires de la foi. Pour faire partie d'une communauté chrétienne, vous l'avez vu, nous avons notre école du dimanche. Il faut traverser cette étape. On peut aussi faire le catéchisme, nous avons nos catéchumènes. C'est alors que, pendant ces étapes-là, des adultes du monde patenté sont chargés d'enseigner l'enfant. Ils sont à la fois les enseignants
et les gardiens de la tradition. C'était la même situation à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, il était nécessaire pour devenir un vrai croyant, être considéré, il faut connaître les 613 articles de la loi, ou tout au moins pouvoir être en mesure de réciter, de respecter les 10 commandements. C'est ainsi qu'on pouvait communiquer avec Dieu. C'est ainsi qu'on pouvait grandir avec Dieu. C'est ainsi qu'on pouvait obtenir son salut. Et c'est sur ce point-là que Jésus semble être en désaccord avec nous et avec les adultes de son temps. Il semble contester le fait que pour être un homme de foi, il faille avoir acquis l'expérience auprès de ceux qui sont plus savants que soi. Et ceux-là, ceux qui sont plus savants que nous, qui sont plus savants que les enfants, qui doivent leur donner cette expérience, qui sont-ils en effet? Leur objectif le plus souvent est que l'enfant devienne ce qu'ils n'ont pas eu pu être eux-mêmes. Je n'ai pas pu être médecin, mon enfant sera médecin à ma place. Nous voulons nous rattraper des échecs de nos vies sur la vie de nos enfants. Ce que je n'ai pas pu faire, mon enfant le fera. Et pour ceux qui ont été élevés dans nos traditions, il y a le froid qui passe par là. Et bien évidemment, à quoi ça aboutit? À de nouveaux échecs. Aux échecs de nos vies, nous ajoutons l'échec des vies de nos enfants que nous provoquons. L'enfant, pourtant, plus que l'adulte, sait observer ce qui se passe en lui. Il découvre très vite que son cœur est habité par des pensées bonnes et des pensées mauvaises. L'enfant a un sens de la beauté. Il a un sens de la justice, de la droiture qui sont propres à lui. Il n'a pas le besoin des adultes pour savoir ce qui est bon. Pour savoir rire, pour savoir sourire à sa mère après la tétée, il n'a pas besoin qu'on lui explique ça. L'enfant ne sait peut-être pas mettre un nom sur l'origine de ces phénomènes. Il ne sait pas que Dieu travaille en lui. Dans sa naïveté, il se contente juste de constater les effets de sa bonté, de son amour, de sa joie autour de lui. Il sait que quand il sourit, sa mère sourit. Quand il fait une bonne chose, son père est content. Lui, l'enfant a une âme belle et bonne, que nous venons détruire par la suite. Parce que très vite, les adultes interviennent pour expliquer les mystères de leur foi, pour leur indiquer la bonne voie, leur bonne voie à suivre. C'est alors que l'enfant perd de sa grandeur, sa faculté d'émerveillement. Très vite, ses parents puis ses enseignants vont lui apprendre à maîtriser le cours de sa vie intérieure. Ils vont lui enseigner en même temps tout ce qu'il faut faire pour connaître Dieu. Ils vont lui apprendre tout ce qui est ce Dieu-là. Ils vont surtout lui parler du péché, de la loi qui réprimande. Ils ne lui parlent pas du pardon. Il passe alors de la spontanéité de la candeur enfantine à la raison calculatrice qui caractérise l'adulte, parce qu'il agira par peur du péché, par peur de la punition. Il agira parce qu'il veut une récompense. Il n'agira plus parce qu'il sait que cela est bien. L'enfant va alors prendre ce que les hommes croient savoir depuis des siècles sur Dieu. Nous, les adultes, nous allons lui imposer ce que nous avons décidé de faire de ce Dieu-là, ce que nous avons décidé de faire de notre Dieu. Il deviendra alors, pensons-nous, un adulte bien élevé, un croyant honnête face à notre Dieu. Mais qui est ce Dieu-là? Celui que nous avons enfermé, celui qui châtie, celui qui discrimine, celui qui suspend, qui chasse des églises. Et notre Sauveur trouve que ces choses vont trop vite, trop loin pour les enfants. On ne leur donne pas assez de temps pour que cette naïveté, cette candeur qu'ils ont fasse œuvre au milieu d'eux. En effet, quelle que soit la façon dont les enfants entendent parler de Dieu par les adultes, cela se passe toujours de la même manière. Les adultes donnent une information sur un Dieu, sans se soucier des émotions que cela peut avoir dans la vie intérieure de ces enfants. De découvrir que ce Dieu qu'on appelle leur père, il sait quelqu'un de près qui est prêt à les punir s'ils se trompent, qui est prêt à les frapper s'ils se trompent, qui est prêt à les jeter dans la géhenne, c'est-à-dire le feu qui ne s'éteint jamais, s'ils commettent une faute, s'ils ne respectent pas ses commandements. Ce Dieu-là que nous leur enseignons ne les rassure pas. C'est un Dieu qui les fait peur. C'est un Dieu qui nous fait peur. C'est un Dieu qui nous a traumatisés depuis notre tendre enfance. Nous ne pouvons pas appeler ce Dieu-là notre Père. Comment pouvons-nous rapprocher de ce Dieu-là pour lui confesser nos péchés et espérer le pardon?
car on nous a dit que c'est un Dieu qui nous jettera dans le feu qui nous éteint point si nous commettons un péché. Jésus nous invite donc à faire une descente au fond de nous-mêmes, avec la naïveté, la même naïveté et la même candeur que le ferait un enfant, qui croit tout ce qu'on lui dit, qui découvre que cette parole de vie s'adresse personnellement à lui, qui découvre que cette parole fait écho au fond de son cœur. Il nous invite à retrouver une spontanéité, une candeur intérieure, à accepter tout ce qu'on nous dit comme des enfants. Cette spontanéité, cette candeur intérieure ont sans doute été altérées par l'éducation qu'on nous a apportée à propos de ce Dieu. Et finalement, ce Dieu n'est plus une réalité intérieure à nous. C'est devenu une réalité extérieure à nous-mêmes, quelque chose qu'on nous impose, quelque chose qui s'impose à nous, si bien que nous ne pouvons plus l'entendre quand on nous parle. Nous ne pouvons plus comprendre quand il s'adresse à nous. Nous ne pouvons plus le sentir quand il parle au plus profond de notre âme. Pourtant, Jésus ne méprise pas les enseignements qu'on reçoit dans l'Église ou dans les communautés de son époque. Il ne rejette pas la tradition rapportée par les pères. Il ne rejette pas les traditions de nos églises, mais il dit aussi que nous pouvons progresser dans la foi si nous n'essayons pas de conserver avec Dieu une relation intime, celle qui n'est pas dictée par les lois des hommes, mais celle qui est dictée par ce que nous découvrons au fond de notre cœur. Si aujourd'hui beaucoup de femmes et d'hommes se détournent de Dieu et de nos églises, c'est en tout parce qu'on leur a enseigné à se référer à un Dieu qui parle à l'extérieur d'eux. Un Dieu qui leur impose ce qui ne sort pas du fond, que ce qui ne sort pas du fond de leur cœur. Ils découvrent au travers des tests et des traditions que ce Dieu-là n'est pas en adéquation avec la vie moderne. Ce Dieu-là n'est pas en harmonie avec leur vie. Ils désespèrent de ne pas trouver dans le Dieu que nous prêchons une voie de salut pour eux-mêmes et pour le monde, parce que ce Dieu-là est trop éloigné des réalités de leur vie. Pourtant, s'ils essayent de retrouver un cœur d'enfant, de s'émerveiller sur l'action de Dieu en écoutant ce qu'il leur dit au plus profond de leur personne, pas ce qu'il leur dit par les paroles qu'ils écoutent, ce qu'il leur dit au plus profond de leur personne, ils auront alors le salut en eux. Et ce salut-là régénère autour d'eux. Il va éclairer tous ceux qui sont autour d'eux. Il va aussi être le salut du prochain. Jésus nous invite donc à dépasser les conventions de la religion. Il nous invite à dépasser les connaissances de la science qui nous aveugle souvent. Il nous invite à dépasser la sagesse de l'expérience humaine que nous pensons avoir accumulée pour retrouver une vie intérieure semblable au cœur d'un enfant. Une vie qui découvre tout, qui s'émerveille de tout. Alors, nous serons en mesure de rencontrer ce Dieu qui a choisi l'humain pourra faire son interrupteur. Il veut être notre partenaire dans notre vie de tous les jours. C'est ainsi que nous serons grands dans la foi. Pas grands en comparaison des autres, pour dire je suis le plus grand, je suis celui qui a le plus de foi, mais être tout simplement grand dans la foi, c'est-à-dire cette chose unique qui fait que nous rencontrons ce Dieu de notre cœur, qui nous invite à un dialogue interne avec lui, sans intermédiaire. Nous découvrons alors sa volonté, nous acceptons sa volonté et nous l'accomplissons avec joie, parce que cette volonté n'est pas une volonté extérieure qui nous est imposée, mais elle est l'essence même de ce Dieu qui s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous et Dieu en nous. Amen.